Tu t'es OK. Pour pas crever et pour reprendre mon antiquité extraterrestre à cet enfoiré de Chrome. Mais je veux plus avoir. Oh merde. Villa Adonis, vends-la pour les enfants pauvres. Je m'en fous. Mais me la rapporte pas. D'accord, promis, je te la rapporte pas. Jamais. Tu te démerdes avec ta merde. Donc comment ça, je t'ai touché mais que c'était pas ta tête? Ça pouvait être que ta tête. Oh bah très bien. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderland. Je me pose des questions des fois vis-à-vis de Lame. Hein. Je t'ai pas vu venir, franchement. Je pensais pas reprendre tout de suite. Il reste quelqu'un. Un débile. What? Elle t'a caressé l'oreille, celle-là? C'est un bouclier? C'est un bouclier. Il est tellement mieux que le mien. J'arrive pas à voir. Ah oui, c'est vrai, c'est la zone avec les tourelles, les machins où j'étais mort. Moult fois. Enfin, pas moult fois, mais où j'en avais chié sa maman. Parce que je n'avais pas de sniper et que c'était une zone de sniper et que j'avais plutôt utilisé le lance-roquette que le sniper. Ok, c'est bon, ça me revient finalement. Je peux passer? Genre. C'est bon? C'est bon? C'est bon, très bien. Il glissait tout seul, c'est pour ça que je vous ai montré ma main, mais... au moins, elle n'était pas dans mon pantalon. Bon, c'est bon. C'est fait. Pas une caisse dans le coin, rapidos? Non. Je vais me faire foutre? Je vais me faire foutre. Bon, bah la suite alors. Pierce m'expliquait quelque chose et je n'étais pas très attentive à son stupide verbiage. Mais j'ai compris que vous verbiage. Un autre fragment de clé de l'arche. Ce que vous pouvez être en train de faire n'a aucune importance comparé à notre quête. Apportez-moi le fragment immédiatement. Bah tu vas attendre. Non mais oh, comment qu'elle me cause? Ce respect. Plutôt ce manque de respect. Mais de toute façon le respect est mort. Je sais pas pourquoi je m'attends à ce qu'il y ait du respect quelque part. Le respect est mort, merde. Chuck Durden. Ah oui c'est vrai, c'est la quête que j'ai mise. Apparemment on a oublié une quête dans cette zone là, les Rust Common West. Du coup autant aller la faire tout de suite. Il y aura aussi une autre quête à faire ailleurs. J'espère que c'est pas dans cette zone là. On aura peut-être dû faire gaffe avant. On va le savoir tout de suite. Ah Tibania. Non c'était à New Haven, parfait. Ouais sinon j'aurais réagi avant. Je me connais, je suis quand même balèze. Qu'est-ce qu'il y a à vendre en fait? Grande résistance au feu. Bombardier, ça m'intéresse pas. Guerriero, ça m'intéresse pas. Ok, du caca. Et ici, qu'est-ce que tu vends? Très bien. Je n'en ai rien à foutre. Pourquoi c'était rouge? Genre, je l'avais pas? Enfin, bref. Ça m'inquiète qu'il m'indique que je dois aller par là-bas pour. Ah, il y a une caisse en dedans. Je me doutais que tu sortirais qu'au moment où je... Ah putain, un sadique. Problème résolu. Genre tu te gares, tu sors de ta bagnole, tu t'approches un peu trop et BAM il sort. C'est quoi? Pourrais te répondre... Ah, niveau 25, ça pourrait être intéressant. 55 x 11, ça veut dire que ça fait plus de 600 et quelques de... Ça par contre c'est pas... Ah, réduction de recul, par contre ça c'est intéressant. Mais dégâts moins 8%. Fais voir. Bon ça fait un petit barrage de balles, ça peut être intéressant. Oh. Un mini mur invisible. Un escalier invisible, il y a un truc qui prend feu là-bas aussi. Très bien. Arrêtons de papillonner. Par contre comment je descends? Eh ben il y en avait de la route, hein. Classique. Tout ça pour arriver à l'espèce d'arène. Ah, c'est l'émission d'arène. Ça va permettre de m'entraîner un petit peu, non? Oh, il y a du monde d'ailleurs. Salut. Wow. Tu sors d'où? Ouais, ça c'était nul. Ça c'était beau. Il y en a plus. Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est là qu'on va tester le truc. Ah ouais, c'est pas mal. Oui, celle-là par exemple, elle marche bien parce qu'elle a tué le mec qui était derrière, mais écoute. On va s'approcher. Elle est pas mal cette arme, j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de... Ouais, elle fait carrément le taf même. Elle fait carrément le taf, t'es où t'es là? D'accord.
Putain, la vitesse à laquelle elle a dépop son shield. Waouh. Enfin une arme potable. Nice. On va voir ce qu'il a à vendre dans le coin. Ah oui, je suis à court de pognon, hein. J'ai racheté des trucs de comment de stockage. J'ai entendu avec le roncle-tu là. Putain, le dépop. Le dépop. Bon, une arène. Le cercle du massacre, levez le rideau. Bonjour. Première manche. Parti. Je veux bien, ça me dérange pas. Ouh. Ouh, je suis tout excité d'un seul coup. Parce que maintenant que j'ai ça... Pourquoi vous m'avez mis aussi cher? Ah d'accord, ok. Ok, ça se passe plutôt bien. Non, papa, toi. Voilà. Il m'en marre plus. Bah, du coup, c'est mon shield qui n'est pas du tout au niveau. Mais bon, apparemment, on va choper un shield juste après. Bon, sinon, en dehors de ça, à longue portée, elle est inutilisable. Mais bon, c'est une SMG, ça ne me dérange pas. Ça me semble même logique. Oh putain, l'aide à la visée, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Faut que je pense à le désactiver. C'est pas vraiment un aide à la visée, c'est une espèce de dead au tracking en fait. Et c'est ultra chelou. Ok, c'était juste ça? Je sais pas que je m'attendais à... Ah si, je m'attendais à mieux en fait. Très bien. 231 de shield, c'est ridicule. Pardon, pardon, pardon. Donne-moi mieux. Mais merde. Oui, mais c'est de la merde ton shield. Deuxième manche, c'est parti. Salut les bruiseurs. Bon bah c'est des bruiseurs, autant y aller hein. Ok. What the fuck. C'est passé quoi là? What? Les dégâts. Ah non, il y a un brutal, non? Ah putain, je vais pas l'avoir. Oh ouais, il y a un brutal. C'est ça le problème en fait. Il y a deux brutales. Faut donc que je me serve de mon ult comme d'un... Ils sont niveau 30. Oh la vache. Heureusement qu'elle fait masse dégâts. Hein. Heureusement qu'elle fait masse dégâts. Et que les bruiseurs normaux viennent me voir au cac. Hein. Permettez deux secondes, je recharge. Ouh, niveau 9 en combat raffle. Nice. J'attends que mon ult se recharge. Putain, les dégâts qu'il a mis à mon shield, c'est d'une horreur. Allez! Putain, il a fallu que je descende à 35 PV, quoi. C'était ballsy, hein. Et lui, il est toujours dans le fond, là-bas. Et bien sûr, lui, il peut me toucher, mais moi, je peux pas. Pour une raison complètement débile, qui est que le jeu ne veut pas. Allez! C'est là que je me dis que du commande l'incendiaire, ce serait sans doute beaucoup mieux. Waouh. Ce qu'il faut pas faire. Ah non, c'est bon. On a survécu. J'ai eu un doute, hein, l'espace d'un instant. J'ai eu un vrai doute. C'est moi ou tout ce qu'ils ont... Ah non. Ouf. J'allais dire que tout ce qu'ils avaient droppé était tombé dans l'oubli.
Marrant, quand tu les tues, t'as l'impression qu'il y a plein de trucs qui tombent. En fait, c'est 95% des munitions. D'armes qui sont déjà pleines, au passage. Dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ok. La suite. Donne quoi? Un mode. Mode centurion. Waouh. Dernière manche. Eh ben, on va pas en chier. Hein. Pas du tout, c'est faux. T'as pas fait la... résistance au feu, petite explosion électrique. Que j'ai comme shield déjà sur moi. Créer un champ incendie. Ah bah écoute, on va prendre ça. On va attendre qu'il se recharge avant d'y aller aussi. Allez! 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 C'est bon. Ok. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a plus de shield, c'est simplement une de mes capacités de mon arbre de talent. Ah, c'est des grenades que j'aurais dû acheter. C'est tellement des grenades que j'aurais dû acheter. What? Ça sort d'où? Là. 31. Et je ne lui fais plus de dégâts. C'est fini. Celui-là, j'y arriverai pas. Pour la simple et bonne raison que je ne fais plus assez de dégâts. Pour tous les niveaux qu'ils ont au-dessus de moi. Le quota de dégâts a été baissé vu qu'ils ont trop de niveaux au-dessus. Très bien. C'est donc de l'argent perdu pour la quête. Alors question, est-ce que j'ai été suffisamment stupide pour lancer la quête sachant que le truc est trop difficile? Non, c'est marqué normal. Eh ben ce n'est pas normal, je suis désolé. Je m'insurge. J'ai une arme qui est censée être plus ou moins pétée. Et elle ne marche pas. C'est dire la différence. Bon, ce qu'on peut faire c'est qu'on va aller rendre toutes les quêtes. On va aller voir si on peut gagner un ou deux levels via ce système là de quête. Hein, et voir si on peut s'en sortir comme ça après. Ici, dans la vraie vie. Par contre, ouais, du coup, on a plein de panneaux différents. Je suis trop con. C'est la chienlit. Bon, ça, c'est la zone de la mort. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'ils sont tous niveau 20. Donc, c'est normal que je les recte. Enfin, normal. Tout est relatif, mais... normal que je leur fasse masse dégâts, on va dire. Que je me suis bouffé un boost de dégâts considérant notre différence de niveau. Mais bon. Y'a pas plus d'ennemis que ça? Genre seriously? Que du coup moi je vais récupérer une nouvelle caisse d'armes là? Ah putain y'a des racks, j'avais zappé. Ouais elle est là, elle est là-bas. Cela dit, ce mur de balles va être extrêmement pratique. Allez foncez-moi dessus. Qui c'est qui a survécu? Jean-Michel! Jean-Michel, viens là! D'où tu survis? C'est bon? Faut te calmer? Salut Tanis! C'est Tanis hein, ici, je sais plus. Bref, j'arrive, hein. 2 secondes. Je vais juste. Chercher la caisse d'armes. Parce que c'est pas comme si j'avais besoin d'armes pour faire toutes tes quêtes à la con. Hein? Eh merde, il a pas sprinté! Merde! Oh, Brick, c'est un. Voilà, bref. On va pas aller au bout de notre phrase, mais. Ouh! Violet? Blanc. Très bien. On n'a pas de chance, hein. C'est le karma! J'ai pu tester mon karma sur Risk of Rain assez souvent en stream, mercredi et le dimanche. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Il va y avoir le retour des Nocturnes qui vont avoir commencé pour vous, hier soir, sur Pokémon Infinite Fusion, qui est une ROM hack. Salut! Ouais! Rendez-vous secret, trop cool, c'est la quête principale, moins cool. Vous partez, je crois. Vous dégagez une odeur étrange, vous venez d'une autre planète? Exact. Salutations. Et les navires, ça a de nouvelles missions pour vous à... New Haven. Tu oublies toujours de le dire, mais moi je le sais. Vu que c'est là qu'elle est, normalement. Peut-être qu'à New Haven. Vous avez tué l'affreux. J'ai demandé à Pierce une autorisation de classe A pour vous, mais elle a refusé. Alors j'ai volé son bras robotique, ce qui l'a forcé à vous l'accorder. D'accord. Allez de l'avant avec ça. Sommes-nous amis? Je crois que ça me plairait. Ouais, on est copains, toi et moi. Y'a pas de soucis. Par contre, c'est pas toi que je vais voir en premier. Ta quête, je m'en fous un petit peu, même si c'est la quête principale.
Désolé. Très bien. On va commencer par Earl. Earl qui est forcément à l'autre bout de la map, très bien. Ok, commençons par les nouvelles quêtes d'Elena. Alors. Tiens, on dirait que vous vous fondez dans le paysage. Je te pisse à l'arrêt. J'ai toujours privilégié la solitude. Pas terrible. S'infiltrer dans Old Haven et découvrir l'origine des signaux de fumée, d'accord ? Réactivation des balises, réactiver les deux balises. Quand Dal opérait encore sur Pandore, il utilisait deux balises interplanétaires qui servent aux vaisseaux interstellaires pour la navigation et les communications. Depuis peu, des bandits se sont installés autour des stations de ces balises et ils les ont désactivées. Il faut que quelqu'un y aille, chasse les bandits de ces stations et réactive les balises pour un fusil de sniper pas précis du tout. Très bien. Intéressant. C'est toujours sympa d'avoir un fusil de sniper pas précis du tout. On a un point. On le met là, ce qui nous fait 32% de force de bouclier, c'est pas mal. Ça doit être à cause de, ou grâce plutôt au fait que j'ai un mod qui augmente le niveau de ce truc. C'est ça que ça doit être aussi haut, je pense. Très bien. D'accord. Tu le dis ? Ah oui, tu vends pas. Dommage. Dommage. Le mensonge généreux. Très bien. Et c'est tout ? Parce que si tu me balances, de nouvelles primes sont disponibles au panneau des primes de... Et puis après tu coupes ta phrase pour me dire que c'est pas New Haven. Old Haven, d'accord, ok, cool. Très bien. Donc ça c'est une zone qu'on a déjà visitée, ça on l'a jamais visité, ça on l'a déjà visité, mais c'est chaud la mission pour le moment. Donc d'abord peut-être... rendre les quêtes, finir ça... Ou non, rendre... Je sais pas, on va voir. Attendez, c'est où ? C'est là. Et si je veux aller à Old Haven, c'est au même endroit. Ah bah écoute, c'est parti, go for it. Bon, on est arrivé chez Earl. On va surtout se faire agresser ici tout de suite et maintenant. Voilà, Skagené. Touché, il y en a un autre. Salut. Un brutal. Nice. Quand t'as du bol, hein, de toute façon. Ça dit, il se fait des pop, hein, le... Couché. Et tu donnes rien. Mais t'es sérieux? Si c'est pas dégueulasse. Waouh. J'aime comment Brick se fait violenter comme ça. Enfin bref. Earl. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, un cadeau, c'est ta bouffe. C'est bon ? On est tranquille ? On est tranquille, très bien. Bon, plus qu'à enchaîner avec une autre zone. Et on va pouvoir aller faire... On avait dit quoi ? Ah oui, ça ou ça. Commençons par les signaux de fumée. Bon, premier arrêt dans cette nouvelle région. Enfin, nouvelle. Dans cette région, si. On a plein de choses à faire. Il y a plein de quêtes un petit peu éparpillées sur toute la map. Enfin, plein. Quelques-unes. Sans compter les quêtes qu'on va devoir récupérer à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, ok, très bien. Je n'en veux pas, merci. Là, il n'y a carrément pas de mode à vendre, mais il a une chier de bouclier moisi. Et là... D'accord. Ok, tiens, pour le shotgun, il a l'air pas mal en plus. Capacité du chargeur plus 5. 7 x 45, c'est quand même pas des masses en termes de dégâts. Hôtel 3 étoiles, je prends. Un problème d'insectes, je prends aussi. Très bien. Du coup, tout ça, c'est dans cette région ? Ah bah, que demander de plus ? Non, Rust Common East, c'est la bonne ? Non. Ouais, c'est la bonne. Nice. Du coup, bah, on va quand même aller faire cette quête-là d'abord. Histoire d'être sûr d'en avoir fini. Oh, j'espère. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Advienne que pourra. Ok, bon, avant tout, on va quand même aller récupérer la quête qui est par ici, apparemment. Reste à savoir si elle est... Non, apparemment elle est là parce qu'il y a un bonhomme ici. Bonjour. Vous n'auriez pas une quête à me donner, s'il vous plaît? Main verte. Un fusil à pompe. Et une quête de niveau 29. Trouver une valve et l'utiliser pour arrêter la pompe à eau. Ça se joue, non? D'accord. Bah, je vais passer devant pour aller là, donc autant la faire. Valve, pompe à eau éteinte. D'accord. Ah bien, moi ça me dérange pas, hein. Loin de là. Mais Oh putain. Encore un de ces ponts.
Du coup, tu peux m'ouvrir? Maintenant que j'ai une autorisation de classe A. Ah, nice. Merci. Dupidupidou. J'espère que l'autre aussi, de l'autre côté, il a abaissé, parce que j'y suis allé, c'était fermé, j'ai pas pu. Hop là. Ça s'est bien passé. Un autre fragment de clé de l'arche, mais entre ici et là-bas, il y a les habitants qui empestent l'alcool et l'ignorance. Ah merde, l'ignorance a une odeur. Cet art inutile et stupide. L'ignorance a une odeur, ça va être comme à l'école. Bref. Tu peux la ravaler avec des jolies couleurs. Ah oui, mignon, furieux, mignon. Guerrier, c'est quoi? Ouais, d'accord. Résistance au feu, résistance à la corrosion. Très bien, je suis commencé à être habitué à avoir que de la merde avant, non? Pardon, hein, mais... Ok. Allons-y, progressons. On a une quête à prendre sur le chemin. Et si tu veux bien tourner. Oui, c'est bon. Bonjour. T'es sûr? Ils sont niveau 27, attention. Il m'a pas touché. J'ai géré. Très bien, j'ai une valve. T'es sérieux, faut que je retourne. Ah, cela dit, c'est pas si loin, hein, c'est juste à côté. On va aller la faire. A chaque fois, j'ai l'impression que c'est un rat qui va m'agresser, mais un rat genre gigantesque. J'ai failli dire que si j'étais un développeur, mais... Je vais pas le dire, parce que sinon ça m'oblige après à aller vérifier. Donc je ne l'ai pas dit. Ceux qui diraient que je l'ai dit... Je leur dis que je l'ai pas dit, vu que je l'ai pas dit. Si je l'avais dit, je saurais que je l'aurais dit. Bref. Bon, on va voir. Je me prends des balles. Bon, c'est vrai que c'est logique, cela dit. C'est pas facile, par contre, hein, du coup. C'est bon, y'a plus personne? Gaston, y'a plus personne? Non. Gaston, y'a téléphone qui y sent, mais y'a jamais personne qui y répond. Ouais, ça pour moi. Alors, j'ai pris beaucoup de dégâts, donc je devais être soit à côté d'un explosif. Soit avec le... Ah là 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 là, prends des dégâts, c'est bien. Ouh, c'est quoi? Deux secondes. Voilà. Je croyais que j'allais plus avoir de balles au moment où j'arrivais devant chez lui. Enfin, devant lui. La mienne est mieux, on est d'accord. Ouais, la mienne est mieux. Bon, on va recharger tout ça. Je sais pas qu'on en a utilisé quelques-unes, mais on en a utilisé... Bon, il y en a encore. Oh! Je suis hors combat et tout! Ouh. Le pauvre! C'est pas comme si le jeu allait me donner de la. La santé, hein! Bon sang, je suis bon! Non, tu vas éviter. Cet homme ne t'a rien fait, tu évites de le tuer. Il y a du bleu qui est tombé là. Des grenades. Alors, ok. Très bien, on va attendre un petit peu. C'est parti! Dégage. Vous êtes où? Ah d'accord. Il va falloir de l'incendiaire. Hein. Il doit être au-dessus, je présume. Ouais. On ira voir ça après. Mais tue-moi, ça vaut mieux. Tu? Merci. Ok. C'est bon. Faut l'utiliser comme une mécanique hein, de gameplay, hein. C'est bon, hein. Maintenant j'ai compris. Oula. Pourquoi t'es pas sur mon radar, toi? Ouais. Et pourquoi y'a quelqu'un qui était mais qui n'était pas? Quoi ce bordel? Ok, c'est bon.
Cette quête est réalisée par un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Ok. On doit bien y avoir un ou deux coffres dans la région, hein. Si on n'a pas... Ouais non, je vais pas dire de choses parce que souvent le karma me... Hein. Eh bien, un coffre d'armes dans le coin. Et t'as pas le droit de me dire qu'il y en a pas. Et je suis coincé dans un panneau. Ah bah voilà. C'est mon truc. Eh ben non, c'était pas un coffre d'armes. Génial. Régénération de santé très lente. Celui-là est mieux que le mien. Bon bah écoute, s'il est mieux. Et l'autre c'est quoi? Dans l'idéal, il me faudrait un vendeur juste à côté. Et normalement, vu le panneau sur la map, il y a un vendeur juste à côté. Non, surtout pas. T'es fou. Il est malade. J'entends ça. Celle-là, elle est équipée, donc je la garde. Lui, il est disparu, donc autant le faire disparaître aussi. Ça, c'est... Ouais, c'est l'éléphant. Bah écoute, au revoir. Glorious Avox, c'est l'ancienne. On est d'accord, oui. Très bien. Allez, ça c'est le bouclier que j'avais gardé au cas où. Je parle. Ok, on va récupérer tout ce qu'on n'a pas récupéré. Et on va aller le vendre aussi. Et péter les munitions. Bon, très bien. Si on a d'autres caisses à munitions par là-bas, on ira voir tout ça. Voilà, très bien, ça c'est fait. Munitions. Et une autre caisse d'armes. Wouh, je l'avais pas vu. Non, j'aurais dû, vu l'angle. Caca. Ah. Ça c'est intéressant pour la simple... Pour le simple principe qu'il ait des dégâts de corps à corps. Je vous rappelle que c'est mon build, hein, le corps à corps. Je choisis la difficulté. Comment j'ouvre? Non, sérieusement, comment j'ouvre? Il y a quand même une caisse d'armes là-bas. C'est vrai que je peux monter sur les câbles? Non! Ouh, puis ça c'est un... Ah la vache, c'est un point de spawn pour les... Comment que ça s'appelle? Les espèces d'hélicoptères. Mais je crois ils sont dans le 1 les hélicoptères, je savais pas. Putain, chier. Je trouve il y a un bouton quelque part dans la ville. Ah. Ça va être pour la porte là-bas. Ah oui, il y a cette zone là que j'ai pas. Enfin la petite zone avec l'escalier là que j'ai pas vérifié, on peut vérifier vite fait. Et il y avait rien. J'aurais dû le savoir. Très bien, bon bah c'est quoi, fuck it. Le monsieur il est là-bas, je me retrouve donc à pied, oui. Ça c'est gros aussi pour un nid. Bref, je me retrouve à pied. Mais je lui rends sa quête instantanément, ce qui me donne un fusil à pompe. Légendaire. Très bon contre les armures, chance de ronger les ennemis, sortez vos morts, chance d'effet élémental et pique. Bon bah en voilà un qui va arriver directement dans la popoche à Marcus, hein. Ce sera toujours plus efficace que ce sniper, qui est pourtant ultra pratique. Mais je n'ai que 4 munitions. Enfin, que 4 armes possibles et imaginables. Donc je ne peux pas faire autrement. Apparemment, de l'autre côté du pont, je pourrais prendre un véhicule. C'est cool. Ok, nous sommes juste devant Old Haven. En tout cas, ce qu'il en reste. On va aller voir... Écoutez, dans quel état c'est? J'espère que c'est... Voilà, c'est en intérieur. C'est parfait. Oula, ils ont viré du... Ils ont viré du vilain. Bonjour.
C'est sympa dans le coin. Toujours pas de bouclier comme je veux. C'est génial. Ok, donne-moi des munitions. J'en ai pas vraiment besoin, mais... Ok, parti. On est des tubes, on n'est pas des pots. Eh merde, un brutal dès le début, t'es sérieux? Taïo! Ok, c'est lui qui me fait le plus mal que moi je lui en fais. Hein. J'espère que je l'ai eu. Ah, je suis coincé. Génial. What? Ah bah oui, oui d'accord, oui, il y avait un truc explosif. J'ai pris ça pour du décor, autant pour moi. Ça fait des dégâts contre les armures, on m'a dit, donc je teste. Hein. Ok. Ok. Très bien. Vous avez l'air assez violent là-bas. Toi, t'as l'air assez débile. Ouais, deux secondes, t'avais pas de bouclier. Oula, gros freeze. Ouais, bah c'est... Hein? Ok, bah si je décède... Non, c'est bon. Non, le légendaire a fait le taf. Grande capacité. Fais péter. Donne un peu plus de shield, donc fais péter. C'est tout? Je veux dire en termes de dégâts. T'es pas genre censé avoir des chances de proc épique. Bon, par contre il donne des shields sur des shields sur des shields, donc c'est assez cool. Et là-bas, je vais avoir du mal à avancer par là-bas. Et derrière nous, on a un mec qui pète une durite monumentale. Bon bah... Ouais, c'est cool. Je me prends une balle venue de nulle part. Sympa. Ça me plaît. Merci. Tu veux bien proc? Enfin, proc à plus que 5. Ok, le Brutas est mort, très bien. C'est un début. Ok, lui il est mort. C'est une continuité, on va dire. Il y a un mec, apparemment, dans le coin. Qui doit être genre top. Donc, je peux pas aller le chercher. Très bien. Là-bas, il y a un mec. Ah. Mec pas chiant du tout, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Une arme plantée dans le sol, très bien. On va essayer de prendre les hauteurs. Ah bah non. Bon, là il est efficace, hein. Rien à dire. Il m'a vu aussi, lui. J'essaie de m'approcher suffisamment, mais... J'ai confiance en mes grenades. Putain, ils sont deux. Et de une. On a géré. Faut continuer. Allez, fond! Eh bien. Ingénieur de la lance. Eh merde, c'est pas ceux-là qui posent des tourelles aussi? What? What? Ah oui, c'est la tourelle en plus qui me fait des dégâts. Ok, pourquoi t'es en coup par coup, toi? Bah ouais, t'es en rafale normalement. Lui il sort de mon cul littéralement.
Y'a un claptrap dans le coin. Permets deux secondes, je. Waouh, le mec est solide, hein. Enfin, le mec était solide. On régène. On a une grosse quantité de régène. Tiens, y'a l'autre team qui est dessus. Et qu'une grenade. Faut que j'attende que j'ai vraiment full régène. Putain. Ah, puis le mec est pas bigleux, hein. Le mec est même très très bon. Oh non, le mec, c'est même plus de la précision qu'il a, il est godlike, hein. What? Qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Honnêtement, qu'est-ce qui m'a tué? C'est quand j'ai fait ça, j'ai sorti mon bras, le mec. Un bras. Oh non, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? Parce qu'en plus, le mec, il a des dégâts incendiaires sur sa tourelle, hein, c'est ça? Ah, alors en plus, j'ai le bug de merde qui fait que j'avance. C'est génial! C'est génial, regardez, je vais. Normalement, j'ai eu la sensation qu'il le faisait. Pas mal, hein. Donc quand ça arrive à ce moment-là, bah. Vous avancez sur vos ennemis, quoi qu'il arrive. On a engagé des bandits pour paralyser la circulation sur nos routes. Puis elle les a supprimés pour éviter de les payer. Mais en détruisant ses employés, elle limite ses rentrées. Ok, c'est bon. Pas pourquoi ça fait ça, mais c'est chiant. Ok, lui il a laissé des trucs. On va les prendre. Il y a toujours l'autre saleté qui est dans le fond là. D'ailleurs qui a full régène, hein, au passage. Pourquoi pas d'ailleurs, hein. Et là il y a un vendeur. Parce qu'il y a un vendeur. Et du coup, ça devient tentant. Ça devient extra tentant. Ça, c'est du coup beaucoup mieux. Très bien. Très bien, très bien. Compte tenu de la portée nécessaire pour utiliser tous ces armements. Ça à la poubelle pour le moment. Je vois pas. C'est de la merde. Pourquoi elle a pas pris de dégâts sur la roquette là? Ça fait mal? Ouais, j'espère. Hein. C'est pas ça pour que tu te sentes bien. Hein. Ok, on réessaye. The fuck? J'ai 2 PV. J'ai 2 motherfucking PV. Est-ce qu'on a le droit d'en parler de ça? Pour une tourelle qui est juste absolument intuable. Et c'est le mieux que j'ai pour régène, hein, donc je régène. Hein. Ah, j'ai touché. Mais il m'a tué. Mais il m'a tué. Je suis content d'en tourner 3. Aujourd'hui. Mais je pense que 2, ça va être déjà suffisamment long à tourner. Parce que bien sûr, il a full life à nouveau. Je peux pas acheter de grenade ici. Ce mec est un putain de dieu pour viser. On va attendre que mon bouclier remonte, s'il veut bien, un jour. Que c'est pas long du tout. J'ai eu peur qu'il me colle des headshots. Hein. Voyez le niveau du mec.
assez bon quand même. Allez, on va essayer de s'approcher, tant pis, on n'arrive pas à l'affronter en 1v1. Ce qui est logique, normalement, il a une tourelle, hein, mais... J'ai eu peur qu'il me bousille tout mon shield d'un seul coup. Oh là 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 là. Et alors, est-ce qu'il peut faire trop? Ah oui, il peut, hein. Et pourquoi pas, après tout. Tu brûles au moins là, non? Même pas? Bah, et pourquoi brûler? Pourquoi je me fais chier? Pourquoi je me fais chier? Mais de toute façon, il va me tuer. Allez, eh ben non. Ça y est. Putain, ce qu'il faut pas faire. Oh la vache. Ah bah tu m'étonnes, je la mérite ma caisse d'armes. Hein. C'est pour moi. Oui, c'est de la merde. Tu peux le dire aussi, hein, ça aussi. Hein. C'est pas un mensonge. Waouh, 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 waouh. Il y avait quoi? Il y avait 20 mètres à faire. Il y a un claptrap ici. Clapi clapi? Non. Désolé. Ça voudrait dire qu'il faudra que j'y revienne à un moment ou à un autre ici. Ça veut dire qu'il faudra que j'y revienne, pardon. Ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais c'est pas grave. On aime souffrir. J'ai besoin de vendre de la merde. De la merde. De la merde. Et je sais plus du coup c'est laquelle. La super SMG de la mort. J'imagine que j'y ai mis un truc. Oui, elle est là. Pareil avec le snipe parce que je crois que je vais en avoir besoin. Corrosion, mon cul, oui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la corrosion? Mais bien sûr, ils ont tous pop ici. Tu veux pas être une brutasse aussi, tant qu'à faire? À la vitesse à laquelle il me dépop. Ah bah non, je veux monter dessus. Par contre, ça c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Faites votre taf. Non, sérieusement, faites votre taf, les filles. Ça fait mal, ça. Alors, apparemment, dans ce bâtiment, il y a quelque chose. Une quête. Très bien. Tu veux bien décéder, s'il te plaît, merci. Pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Vu que je m'attendais à une quête, je veux dire... Fuck. Chelou. Même pas là-dedans, je l'ai raté depuis le début. Mais d'accord, voilà. C'est pas derrière ça non plus. Merde. Et c'était pas là-haut. Me dis pas que c'est bugué. Me dis pas que c'est bugué. Je pensais que ça allait être ça, vous voyez. Ah, attendez, il y a un cadavre ici. C'est chelou. Bon bah...
Voilà qui me fait bien chier. Toi t'as repop, on sait pas pourquoi ni comment. Fais des dégâts, c'est même pas légal. Et il est où? Je remercie encore une fois mon radar, hein, le saint radar qui aura réussi à me faire oublier qu'il y avait des ennemis autour parfois vu qu'il ne les affiche pas forcément. Pourquoi quand moi je tire une balle dessus ça suffit pas? Bref, on va arrêter de se plaindre pendant à peu près 30 secondes et on va recommencer ensuite. C'est même pas ce qu'il faut que je fasse. Étouffer les quatre colonnes de fumée. Ce serait pas ça. D'accord. Ok. Vendu. J'aimerais bien savoir pour cette zone, pour cette quête. Surtout, personnellement. Me dis pas qu'il va falloir que je fasse une recherche Google pour un jeu qui date de 15 ans. Parce que le pire, c'est ce que j'ai fait avec ça, là. Ça, ça, c'est pas mal, hein, en soi. C'est même pas mal du tout. C'est savoir si j'étais allé au bon endroit, quoi. Apparemment, oui, parce que c'est pas ici. Hein. Ici, c'est carrément le cul-de-sac des familles. Hein. Ok, très bien, il semblerait que ce soit uniquement débloqué lors d'une quête dans laquelle il faudra revenir, en fait, tout simplement. Pour sauver ce claptrap. Et une fois qu'il sera... Enfin, il y aura un autre laptrap apparemment là-bas qui demandera à ce qu'on le sauve, j'ai pas trop compris. Hein. Tout un bordel en fait. Et donc il y a des clés qui sont disponibles qu'à certains moments dans le jeu. Voilà. Donc faudra revérifier. Putain, je m'en doutais. Revérifier tout le jeu le moment venu. Voilà, voilà. On va se diriger sur les 4 colonnes de fumée maintenant. 4 colonnes que l'on voit bien sûr à très très longue distance. Ils mettent des explosifs partout dans cette région, quoi. Oui, je l'ai pris. Je croyais que j'avais pas pu. Par manque d'espace. What? M'en fous, ils font. M'en fous, ils font. Voilà. Je t'avais prévenu. Je l'ai tué avant, je suis con. Hardcore, je sais pas pourquoi, mais. C'est un succès. Que je suis niveau 30 sans doute. Heureusement que j'ai des dégâts en corps à corps. Hein. Ok. Colonne de fumée. Quartier résidentiel et toi. Quartier résidentiel ça doit être ça. Oh putain. Non mais c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Ok, très bien. Et ça va être intéressant. Oh la vache, ça aussi ça peut être intéressant. Et ça, ça doit être le plus intéressant du monde, je crois. Faut qu'à chaque fois que je tue un ennemi, faut que je sois plus résistant. Et toujours mon ami. Ah mais maintenant qu'ils m'ont vu, maintenant je suis baisé. Il brûle, cela dit. Je touche pas, on est d'accord. Hein. Non mais lol. Non mais je viens de spawn, enculé. Je vais quand même pas remourir. Je spawn devant un brutal. Tant qu'à faire les choses bien. Et puis j'ai aucune arme à charger en plus. Ah, ce jeu c'est une purge. C'est une putain de purge. Parce qu'en plus lui il a repop. Il a régène. Pardon. Je vais y arriver.
Tu fonds ? C'est con. Très bien. Je n'en chie pas, c'est faux. À tous ceux qui l'insinuent. Putain, mais le mec, la précision ! T'en vas pas ! Ok. Ok, j'ai tout eu. Complètement zappé, Zedai. Putain, j'ai mes FPS qui s'en branlent. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Aucune raison apparente. J'ai les FPS qu'en chie, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors, comment je suis censé affronter ces saloperies? En vrai. Hein? C'est magique! Et puis le mec me lâche plus hein, maintenant, c'est fini hein! Très bien. Pourquoi est-ce qu'il me lâcherait? Bah oui, pourquoi est-ce qu'il me lâcherait? Jeu de merde. Comme cette arme ne fait pas de dégâts aux ennemis. Oh, ah putain. Comment je peux faire pour sortir de cette galère? J'ai 10 points de vie. On va pas ramasser les munitions. Et puis il y a la tourelle qui me tue aussi en même temps. Bah oui. Bien sûr. Tu vas proc ? Oh, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à pas grand chose. Tout mon pognon va y passer de toute façon. J'ai toujours pas de grenade. Mais d'accord, c'est sur le point d'exploser ça. Ouais. Putain. Et non, parce qu'il me touche. Ok, il brûle. Tant qu'il brûle, je peux régène. Ça va pas durer très longtemps, mais bon. C'est fini, voyez. J'aimerais pouvoir annuler mon truc. Malheureusement, je ne peux pas. Ça veut dire qu'il va récupérer une grosse partie de son... Voilà. Ah, pardon. Toute son armure. Ah, tout son bouclier, pardon. Ce qu'il faut pas faire. Est-ce que c'est considéré comme du glitch ça ou pas? Parce que même comme ça j'en chie hein, entre guillemets hein. Putain. Comment c'est possible qu'ils me mettent autant de dégâts?
Je sais bien que mon shield est à chier, mais quand même. C'est pas normal. Brûle! Parfait, il a brûlé. Non. C'est pas légal! C'est tellement pas légal! On va régène à fond. Vaut mieux qu'on soit régène à fond. C'est un ennemi normal! Je viens de lui mettre 3 coups lourds. J'ai un build DPS cac. C'est pas normal! Je suis désolé! C'est quoi cette espèce de... de scaling à la mort moelle-neu? Ok, je suis full de partout. J'essaie juste de me remettre bien comme j'étais, mais je peux pas. Ah bien, le jeu va essayer de me suicider maintenant. Et il m'a enlevé plus de boucliers que j'en ai enlevé, hein. Allez. Pfff. Pistolet là est plus précis que des fusils de sniper, hein. C'est triste. Non, je sais pas, enfin moi ça me paraît triste, hein. Des grenades, merci. Merde, il s'enfuit. Tu es assassiné, tu es. Putain, il y en a d'autres. Oh la vache. Ok. Celui-là, on l'a pas géré, mais écoutez, c'est, ça fait le taf. Brûle. Oh là 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 là, cette zone, c'est vraiment de la merde. Pardon, hein, mais... on pourrait pas me pondre un vrai shield plutôt? Sérieusement? Génération de santé très lente, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ok, je peux pas monter là. En espérant qu'il y ait une autre caisse d'armes là-haut. J'espère. Oh, c'est la PLS quoi. Ah, mais les tourelles c'était de la merde, mais avant, mais là. Là, on a atteint un autre niveau d'emmerdement, là, c'est pas possible autrement. Les toits maintenant qu'il faut que j'aille. J'y étais un petit peu tout à l'heure, mais écoute, je vais me retenir. Imagine que c'est par là aussi. Vu qu'il y a absolument plus de fumée qui sort. Ah, autant pour moi. C'est pas là, genre, la zone de départ, ça? Ouais, d'accord. Ok, très bien. Je commence à comprendre. Faut que je fasse tout le tour. Ce jeu est quand même vachement plus dur que dans mes souvenirs. Pas vendre le fameux lance-roquette non plus, hein, on va pas exagérer. Il a pu y avoir un passage, il aurait pu. Mais non, il n'y en a pas. Ce jeu n'est pas simple, et il n'est pas fait pour être simple. Il est fait pour te faire souffrir. Où est-ce qu'il est? Les dégâts que je prends, c'est insane. Ta gueule. Il y a plus d'intérêt à tuer l'ingénieur d'abord qu'à aller tuer la tourelle, quoi. Ok, bon, très bien. Maintenant.
Ok, celui-là je l'ai eu. Lui je l'ai eu, voilà, ça c'est ce qui est censé arriver normalement. Je suis censé one-shot mes ennemis. Avec le clic droit. Et merde. Là par exemple c'est lui qui va essayer de me one-shot. Il a pas réussi mais il a essayé. Allez, fond, merci. Oh, ok. Ça c'est fait. Bon. Retour à la maison. Et mise. On va sous la couette. Et on se met en position latérale de sécurité en PLS. Non, c'était pas une caisse d'armes. Merci. J'aurais vraiment mal pris. Ouah. Zam, merci. Tu veux pas sortir par la truc. Ok. Oh, salut les gens.